En mathématiques, vous allez avoir deux activités différentes à faire. Première activité, vous allez avoir la bande des nombres qui va très très loin, que je vais vous envoyer, que je vais envoyer aux adultes qui sont avec vous. Vous allez devoir la réciter, la comptine des nombres, en commençant à 1. Et on essaye d'aller le plus loin possible sans s'arrêter. Et puis quand vous vous trompez, on dit stop. L'adulte qui est avec vous, il va dire stop. Et on colorie la petite case, le petit rond, où vous vous êtes trompé. Ça veut dire que jusque-là, vous connaissez votre comptine des nombres. Vous savez qu'en grande section, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est jusqu'à 30. Mais vous êtes très nombreux à déplacer, évidemment, ce nombre 30. Deuxième activité que vous allez faire, c'est une dictée de nombres. Donc, vous allez avoir l'adulte qui est avec vous qui va vous donner un nombre. Pour ceux qui sont un peu en difficulté, vous pouvez limiter de 0 à 15. Pour ceux qui s'en sortent bien, on peut aller jusqu'à 30, pourquoi pas un peu au-delà. Et vous, les enfants, vous allez écrire sur l'ardoise ou sur une feuille le nombre que l'adulte vous dicte. Pour ça, on ne cède pas de la bande des nombres. Par contre, quand on a terminé, qu'on sache ou qu'on ne sache pas, on peut vérifier avec la bande des nombres.